Jusqu'au 21 novembre, le château d'Ardelais accueille une exposition consacrée au peintre Albert Demant, aujourd'hui décédé. Venu des Flandres, Albert Demant s'est installé en Vendée et incarne le style flamboyant vendéen. Beaucoup d'œuvres des années 50, il était alors âgé de 22 ans, des pastels, sont présentés dans cette exposition. Une rareté aussi à ne pas rater, le chemin de croix de l'hôpital de La Roche-sur-Yon qui est exposé à Ardelais et que Demant a peint après que sa femme André ait passé 3 mois à l'hôpital. L'exposition s'intitule « Hommage de ses amis » et parmi ses amis, il y avait Régine Albert. Albert Demant, ça fait 30 ans qu'on le connaît. Il est parti malheureusement il y a déjà 14 ans, mais c'est comme s'il était encore présent. On a des souvenirs avec lui extraordinaires. On l'a connu grâce à des amis quand il était à La Rochelle. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, on ne s'est pas quitté. C'est-à-dire qu'on est resté vraiment très liés et avec mon mari et André et Demant et Albert. On a eu la chance de faire quelques voyages ensemble, alors qu'il ne voulait jamais sortir de chez lui, parce que c'était sa peinture. Mais en même temps, il allait renouveler son inspiration au cours de ses voyages. Et ça a été merveilleux de l'accompagner. Voilà, en plus, un contact avec un peintre, l'œuvre immense, hein, c'est très varié. Très, très varié. Parce qu'il a peint quand même de nombreuses années. Et justement, cette rétrospective, là, on voit le Demant de ses débuts. Et ça va jusqu'au Demant d'il y a 14 ans. L'exposition Albert Demant, hommage de ses amis, est ouverte les samedis et dimanches de 15 à 19h et le mercredi de 14 à 18h au château d'Ardelais jusqu'au 21 novembre.